c'était un match très compliqué contre une équipe de top 14, une vraie équipe de top 14. On a eu un peu des erreurs, mais malgré tout ça, on a fait un bon match. On avait un très bon état d'esprit. Et oui, ça suffit pour le moment, ça suffit, c'est tout. Donc vous êtes quand même content de vous malgré la défaite? Oui, malgré la défaite, on est très content. Comme j'ai dit, c'était une belle équipe qu'on a en face. Mais bon, il a des erreurs. On va voir sur la vidéo, sur la séance vidéo. Mais quand même, il a des choses très très positives et on va regarder ça. Ok, super. Merci beaucoup, Franck. Merci. Bonsoir, Loïc. Alors, est-ce que vous avez une préparation spécifique pour affronter le Stade Français? Non, pas du tout. Ça fait maintenant 5 semaines qu'on a repris l'entraînement. C'était vraiment un premier match. Vraiment pour voir voilà, ce qu'on avait mis en place, voir si ça fonctionnait, avoir du temps de jeu, et puis ça fait du bien de reprendre aussi, pas que faire de l'entraînement physique. Donc voilà, non, il n'y avait pas de vidéo spécifique sur le Stade Français, c'était vraiment juste un match pour se préparer nous, quoi. Et est-ce que tu penses que vous avez joué comme il fallait ce soir ? Je pense qu'on a mis beaucoup d'engagement face à une équipe du Stade Français qui fait les beaux jours quand même en top 14, donc c'était un bon test pour nous. Malgré les conditions, je pense qu'on a gardé bien le ballon, il n'y a pas eu trop d'en avant, donc je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Ouais. Super, donc comme je disais à Franck, vous êtes quand même malgré tout content de vous, malgré cette défaite. Oui, parce que c'est une défaite de 6 points contre un cadre du top 14, encore une fois, même s'il n'y avait pas non plus l'équipe type. Nous aussi on introduit beaucoup de joueurs, donc il fallait que tout le monde s'y mette dans l'équipe, et je pense que c'était un bon test aujourd'hui. Est-ce que tu penses que vous auriez pu gagner ce soir? Bah oui, vu qu'on perd de 6 points, on échoue vraiment à un essai transformé, donc tout était possible, surtout qu'à la fin on voit qu'on était à 5 ou 10 mètres de leur ligne, donc oui, on aurait pu gagner. Bah, merci beaucoup, Loïc.